Bonjour tout le monde, c'est Ti. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour la suite de Hulot. Farmer's Life. Alors, j'ai en off vite fait toute la cigarette. Voilà. J'ai toute faite. J'ai aussi, vu que ça m'a pris pas mal de temps, je suis allé vendre encore une fois les œufs. Parce qu'il y en a quand même beaucoup. Une cocotte morte là-bas d'ailleurs. Un coq plutôt. Et puis c'est tout. C'est tout ce que j'ai fait. On va aller couper le coq. Ça nous donnera de la viande. Hop. Voilà, on va boire. Et je sais plus du tout, je me suis arrêté la dernière fois. Ah, punaise, s'il connaît, il faudra régler quelque chose pour de nouvelles. Ouais, mais ça, hop. Ça, j'en fiche. Ça, faudra être, faut boire, on verra ça plus tard. Il manque une presse à paille. Moissonneuse, ton coton, nana, comme on dit. Il semble que je dois visiter nos résidents, mieux vaut le faire la nuit. Je crois qu'on les a tous, non? On en a 4. On en a 4. Ah oui, maman, les 4 caisses sont arrivées, ok, il n'en reste qu'une. On ne sait pas si c'était par accident ou volontairement, quelqu'un a pris les autres. Il semble que je dois y aller, ok, mais il faut faire ça la nuit. Ensuite, les déposer chez Stan à la ferme étatique. Ok, et ça c'est quoi? Développe. Nous aurons besoin de plans qu'Antoine et de plans qui sont tombés par-dessus le bord. Si seulement je pouvais mettre la main sur lui. C'était assez apparemment, elle a été emportée sur l'autre rive de la rivière. Attendez. Attends. Là j'ai 4 caisses. Donc ça je peux tout prendre. Ok. C'est quoi qu'on voit ça? Faut que je coupe ou pas? Ouais. On va aller à la ferme. Il y a ma femme, faut que je lui donne ses œufs. Mais on va couper du bois vite fait. Bien sûr, j'ai pas de hache parce que je suis quelqu'un qui n'est pas du tout prévoyant. Et bien sûr, ma hache n'est pas là. Je ne vois pas, donc elle doit être là-bas. Donc super, je fais des allers-retours pour rien. Bravo, attends. Confirmer. Hop. Voilà. On va pas passer 50 ans. Oh, j'étais persuadé d'avoir mis une hache là. Là-bas. Là-dedans. Ah mince. Et voilà, j'ai perdu mes haches. Je suis fatigué. Hop, on va donner. Tiens, ma chérie. Donc je le redis. Tiens ma chérie. Voilà. J'ai perdu mes haches. Bravo à moi. J'ai des clés, je sais toujours pas.
J'ai toujours des grenades. Je sais pas où j'ai foutu mes haches. Enfin, fichu mes haches, désolé. Où est-ce qu'elles sont? À tous les coups, vous les avez vues, mais moi, je les vois pas. Il y en a une là. Mais du coup, je vais la poser là. Et je ferai le bois une autre fois parce que je trouve que ça sert à rien pour le moment. Hop. On va dormir. On va aller chez Stan. Après, pour donner les 4 caisses. Hop. Tâche arrêtée. Bah oui, je veux pas faire ton truc de Noël avec le prêtre. Je m'en fiche en fait. J'en ai marre, moi, de cette tâche de Noël tout le temps. Elle a veillé sur la cuisine. Merci, chérie. J'ai voté, mais merci. Alors, on va aller donc chez Stan. Dans 2 mois, certains produits se cacheront. Donc, si j'ai bien compris, c'est là. Non, attends, c'est où que ça va se gâter? Là-dedans? Non, là-dedans, ça se gâte pas. Là-dedans, ça se gâte pas. On va aller vendre le poulet. Confirmé. On va ramasser les œufs si on va au. Au truc là, à la ferme, agricole. Je vais poser ça et ça. Voilà. On est riche, 18 352. Faudra y vendre les cigarettes aussi. Et peut-être acheter encore un terrain, je sais pas. Ah mince, il y en a là, je vais partir. Ok. J'espère qu'il y a encore de l'essence. Il reste 20 kilos. Là, on devient riche avec tout ce qu'on vend entre les œufs, la viande, les cigarettes. Ça va, couille. Quoi? Mais va-t'en! Qu'est-ce qu'elle fait là, cette cocotte? Et vous avez vu qu'on peut se déplacer même si on est lourd. On peut faire un voyage rapide. J'ai vu ça la dernière fois. Je vais devoir acheter du carburant. Et le pire, c'est que moi, je suis sûr que je peux les faire, hein, le trajet avec le carburant que j'ai. Vous allez voir.
En espérant bien sûr que je ne crève pas. J'aimerais qu'on évite de se moquer de moi encore. Petite promenade au lever du soleil, c'est beau. En tout cas, mon tracteur il pollue bien. Pourquoi tu galères? Mais c'est mieux que galérer. Je sais pas pourquoi. Attends, genre, j'ai du mal à monter les... Pour de vrai, là, j'ai du mal à monter. J'ai envie de dire que c'est poussé à un réalisme surprenant, là. Voilà. On va prendre de l'élan pour vraiment monter là, à côté, là, au fond. Allez, 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 allez. Oui, ça diminue. Là, je repasse à deuxième, mais ça veut pas. Ah, c'est quand même bien fait. Hein. Attends, on va repasser à la seconde. Et vous voyez, on est à niveau carburant, on est quand même assez large. On va déjà vendre ce qu'on a à vendre. C'est pas là. Litres il reste. Salut beauté. Tiens, 2080. Merci. Alors, à nous deux maintenant. Bon, je sais qu'on n'est pas très potes en ce moment, mais tiens, 812, ça va. J'ai envie de voir ce que ça fait quand je tombe en panne. Ok. Allez, pousse. Jusqu'à ce que je tanne. Allez. Allez.
traitons. Alors. Tiens, si tu peux m'en donner 20, ça ira, je pense. 40. Tu peux en mettre encore ou pas? 20 litres. Je sais pas combien de litres tu peux mettre. Ah bah 20 litres. Du coup. Les caisses. Faut les mettre chez Stan. Si j'ai bien compris. Ok. Ok. Faut reparler à Stan. Non. À qui faut parler? Parfois on peut... Quelqu'un a pris d'autres... Et ensuite t'es posé chez Stan. Ok. Bon, à mon avis, maintenant faut faire ça. Faut trouver les plantes techniques. Regardez la moissonneuse. Toujours pas compris. Ça va, frère? Je vous dis toujours, hein, je comprends toujours pas ça. 615, c'est quoi? C'est ce que je touche par jour? Je comprends pas. Hein. On va aller vendre des clopes. On va aller vendre des clopes et puis après on va chercher la dernière caisse. Donc est-ce que je vais pouvoir tout porter ou pas? 36,60 kg, parfait. Et je vais vendre ça en même temps. Yes. Non, Henri. Apparaît tout de suite. Et vous avez vu ça? Traitons. 23. Allez. Allez là. On est bon là. On va voir le maire. On va voir si on peut acheter d'autres morceaux de ville. Genre celui-là, ça ferait combien? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, vas-y, hein. Alors, on fait pomme de terre, on fait tabac. Je sais pas, on va faire... Avec tabac, ça rapporte pas mal, quand même. Il nous reste 32 000. 10, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Si les permis sont des bonnes mains, vous pouvez les acheter au primaire. Et... Oh, j'aimerais bien. Ouais, vas-y. Ah, oh, je me suis fait arnaquer. Non, il y a une ruine sur cette parcelle que je dois faire exploser. Ah, va falloir que je fasse une bombe. Il va falloir que je réapprenne à désamorcer les mines. Donc il faudra que je regarde... Ah, punaise. Je regarderai comment faire pour redésamorcer une mine. Parce que je m'en souviens pas. Et puis je le ferai. On le fera des kabooms. On fera des... voilà.
Donc du coup, on a une caisse à chercher. Bah attends, mais pourquoi je vais là, moi? Ah non, c'est bon. Il est là, le port? Ah oui, il est là. Ouais. Alors, il dit quoi? Les dessins techniques, nous avons besoin de ces plans qu'Antoine a commandés. Ils devraient arriver au port, mais ils sont tombés par-dessus bord. Si seulement je pouvais mettre la main sur le capitaine de Malheur. Heureusement que cette caisse est légère. Apparemment, elle était emportée sur l'autre rive de la rivière, au nord-ouest du port. Si on arrive à trouver cette boîte, il suffit d'ailleurs à tailler. Ah, mais j'arrête pas de te donner à boire là. Au nord-ouest, donc là c'est le nord. Sud, ouest, est. Ça veut dire de l'autre côté là-bas? Je vois un truc qui flotte là-bas au fond. Ça m'étonnerait que ça soit de l'autre côté quand même. Si? Non. Il y a quoi? C'est deux tonneaux qui sont là? On va voir. Ouais, c'est deux tonneaux. Mais je vois pas où est la caisse. Où pourrait être la caisse? Sur la rive. Au nord-ouest. Oh cool, des clopes. Cool. Donc pour moi, techniquement, le nord, c'est par là. L'ouest, c'est par là. Donc ça serait là, puisque le port, il est là. On va voir. Mais ce qui me paraît bizarre. Ce qui me paraît bizarre, c'est que sur la map, c'est pas dessiné comme là. Donc ça me paraît bizarre. Mais apparemment, on peut y aller. On va continuer, hein. Et si on trouve des... Attends, c'est une caisse en haut là? Non, c'est une pierre. Et si on trouve d'autres tonneaux, on les prendra. Ah, je vais vachement loin là, non? On va longer. Mais je pense que je vais avoir besoin de vous. Pour me dire si je fais fausse route ou pas pour la caisse. Il y a un tonneau là-bas, non? Ouais, il y a un tonneau, je crois, peut-être la caisse. On va y aller. Ah, je crois qu'il y a des caisses là-bas au fond, ou des tonneaux. Ah, punaise. Mais il dit que c'est sur la rive. La rive, c'est quoi? C'est... Fais voir où je suis, là. La rive, on est d'accord, c'est le bord de truc, là. C'est un tonneau, il y a deux tonneaux là-bas au fond.
Ah mais c'est ça rapporte grave. Et je suis trop lourd maintenant. Ah ouais. Je suis là. Nord. Heureusement que cette quête, apparemment, elle a été emportée sur l'autre rive de la rivière, au nord-ouest du port. Donc c'est là, quoi. Je vais pas m'énerver. Quand même. Voilà, j'ai ma réponse. Je peux pas y aller non plus par là. Ok. Donc je vais aller par là-bas. Donc la limite c'est ça. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ok, je peux pas y aller non plus. Donc en fait ça fait un truc comme ça. Ok. Je vois des tonneaux. Ou alors elle est en bas. Elle est au sud plutôt. Là je vois deux tonneaux. Il y a peut-être une caisse dedans, je sais pas. Oui. J'espère que cette petite balade sur la mer vous plaît. Ouais, c'est des tonneaux, c'est pas des caisses. En fait, tu t'enrichis peut-être là en faisant ça, non? Non, on cherchait les tonneaux là, dans l'eau. J'ai l'impression que ça repop une fois par jour. Oh, des grenades. Détruire, détruire, détruire. Ouais, non, ça c'est important tout ça. 113 kilos, je vais rouler là. Il n'y a pas d'autres caisses en tout cas, enfin pas d'autres tonneaux pour l'instant.
Et les caisses, ben, je pensais en avoir vu de loin sur ce rift, mais non. Attends, il y a un truc là. C'est un rocher. J'ai tellement cru à une caisse. Genre le coin de la caisse qui était accroché là. Ouais, à mon avis, elle est pas là. Elle est pas là. Non, ouais, j'aimerais bien savoir où elle est. J'irai demander en off à quelqu'un qui a fait le jeu. Ouais non, là il y a le champ de mine. Pas une caisse qui flotte ça, c'est un rocher. Bon, le truc rigolo, c'est comment je vais faire pour marcher. Stop, 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 stop. Ouais. Alors, est-ce que quand je suis vraiment lourd, je peux voyager ou pas? Ouais. Vous avez vu, on peut voyager même quand on est vraiment lourd. Bon, ça prend beaucoup plus de temps. Oula! Mais arrête d'avoir froid tout le temps, je vais bientôt plus avoir de café. Ah, quoique si, j'en ai ramassé plein. Bon, par contre, là, oh là, je peux pas jeter un truc, là, il récupère après. Ah bah non, c'est tout dangereux, là, dis donc. Bon, allez, vas-y. En attendant, je vais vous faire la causette. Je sais pas en fait. Mais ouais, pour ce cas, je vais aller demander à un ami qui l'a fait pour savoir où elle est. Parce que là, honnêtement, je vois pas du tout là. Oh pitié, Henri, je peux pas me battre, je suis lourd. Donc, ne viens pas m'embêter, s'il te plaît. Je perds directement là, s'il vient me taper. Puis j'irai voir aussi comment faire pour. Parce que je m'en souviens plus. Mais pour déminer. Si je le regarde pas. Ah putain. Oh là là, je te jure. Pour la peine. Alors, je vais pas me gêner. Ah bah si, je vais me gêner en fait. Je vais pas le faire. Allez, on va tout vendre. Heureux. Tu devineras jamais ce que j'ai pêché. De l'alcool, des cigarettes. Plein de trucs. Alors, déjà, tiens, ça, j'en veux pas. Pas mal. Ça, pas mal. Tu veux du chocolat? Pas mal du tout.
Les grenaches, les gars, ça ne dérange pas. Tiens, des boîtes de chocolat. Tiens, de l'alcool. Et voilà. Je garde le café pour moi. Hein. On va faire comme ça. J'ai envie de voir comment on démine déjà. On va aller au champ de mine là. On va sauvegarder. Pour éviter de se faire sauter. Alors vous voyez, il y a un champ de mine. On sauvegarde. Bon, j'ai retrouvé comment faire. Non, non, j'ai oublié de mettre le clavier en anglais, c'est pour ça. Ok. Attends, on re-sauvegarde, parce qu'on a peur. Et échappe pour quitter. Ok, alors, visser, dévisser. Donc non, c'est ça, ça. Oups. Je vais pas y arriver. Attendez. Je crois que c'est un truc. Faut que ça soit comme ça, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, c'est ça. Oh, j'ai réussi. Ok, une. On sauvegarde. Ah ouais, non, on est des petits joueurs. Non, on est des petits joueurs. On est des petits joueurs. Non, on est des petits joueurs. On est des petits joueurs. Non, 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 là, même pas. Oh, punaise. Ça serait plus facile si tu étais ivre. Non. Non, non, non. Quoi? J'ai bloqué? J'ai appuyé sur échappe au moment de l'explosion. Alors. J'ai rechargé le jeu parce que j'ai fait bugger le jeu en faisant échappe. Donc, on va recommencer. Il y a ça. Alors, ça fait clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Non, clic gauche. Clic droit, clic gauche. Ah, je meurs carrément. Ah, ok. Bon, vas-y, recharge. Casimir a perdu la vie. Ah oui, tiens, ça va faire un petit récapitulatif. Sa vie entière a duré 37 ans et a survécu 79 mois. Chargez votre dernière save. Oh, j'espère que ça va pas prendre 50 ans quand même. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Alors. Non, je suis mal parti. Faut que j'aille plus vite. Hop, une mine en plus. On en a besoin que de... Que de deux, je crois. On va aller crafter ça. Ah, arrête. T'as froid, d'accord, mais arrête, c'est bon quoi. T'as un Ruskov là, enfin un Godless quoi. La limite, tu devrais être en Bermuda et puis en t-shirt et faire la Zumba là. Allez, construis-moi une bombe. Ah, il en faut trois. Ok.
Bon, on va se faire boomer. Je vais pas me casser un os si je vais là-dedans quand même. Non. Ok. T'as des mines ça? Non. Allez. Non. Voilà. Y a pas un tas de ferraille dans le coin? Non, je dois en avoir à la maison. En avoir à la maison. Alors, construction de bombes. Ah, j'avais oublié que c'était comme ça. Ça comme ça, ça comme ça, comme ça. Ah bah, elle est simple cette bombe. Ok. S'il y a quelque chose qui explose, tout pète ici. Hein. Mais il y a vraiment tout quoi. Le café, on va le laisser là, je crois pas que ça pourrit. Ce. Et tout le reste, on va le mettre dans le. Dans la réserve. Oh, 53 oignons. Allez, plus vite. On est d'accord, hein, c'est bien dans la réserve là que ça ne pourrit pas. Comment ça se fait que j'ai 272 œufs ici? Deux mille de place? J'avais pas 3000 ou 5000, un truc du genre. Va falloir que je vende des œufs demain alors. Enfin la prochaine fois. On va laisser ça comme ça. La prochaine fois, on va faire exploser la maison. On va faire. Comment dire? On va faire des cultures dessus. Et puis voilà. On a bien avancé. Il faut que je demande la caisse, c'est vrai. Il faut pas que j'oublie. Et puis voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.